Eh, dites. Mais alors, pourquoi tant de mystère? Quand est-ce que vous allez nous laisser prendre des photos? Il n'y a pas de mystère, Bradley, mais il n'y a pas de photos non plus. T'es sûr que c'est pareil? Dites, tu te fous de moi? On dirait que quelqu'un l'a embrassé avec une paire de pioches. Je me suis laissé dire que Higby était là quand ça s'est produit. Il est dans le bar. Bon, ça va, vous pouvez l'emmener maintenant. J'ai vu, moi, quelque chose. Je ne sais pas ce que c'était, mais ça se déplaçait à une vitesse incroyable pour se planquer au sommet de cette falaise-là. Quelque chose comment? Quelque chose de gros? Quelque chose de petit? À une description? Ben non, désolé, je ne l'ai pas vu d'assez près. Mais je sais une chose, Campy. Je connais personne qui puisse grimper une falaise aussi haute. À moins d'être une espèce de monstre humain volant. C'est tout ce que tu peux dire pour le moment? C'est tout, oui. Et toi, Carlo? Hein? Et cette madame Stéphane? Cette Valérie Stéphane, tu peux me la décrire, peut-être? Eh ben, c'est une vraie panthère noire, des yeux noirs, des cheveux noirs. Et elle a comme un accent indéfinissable avec une voix rauque. Elle est sortie avec Franck, et puis deux secondes après... Dites-moi, Conti, expliquez-moi. Le cadavre de Franck était dans un drôle d'état. Qu'est-ce qui a pu lui faire ça? Vous avez une idée, vous? Higby, t'as toujours ta licence de détective? Ben oui, bien sûr. Ça t'ennuierait de la perdre. Carlo? Carlo! Oui? Si jamais tu rencontres cette Valérie Stéphane ou si elle vient ici, je te conseille d'appeler, c'est noté. Oui, c'est noté. Et voilà. Alors comment ça, tu n'es pas absolument sûr d'avoir vu quelque chose? J'ai pourtant vu la tête que tu as fait. Eh, hey, bon, bah écoute, j'ai pas envie d'en parler. Je suis seul à avoir crié, pardonné tous les jours. Nous prions humblement pour l'âme de votre serviteur que vous avez rappelé de ce monde. Seigneur, ne le livrez pas aux mains de l'ennemi. Et ne l'oubliez pas à jamais. Mais ordonnez à vos saints anges de le conduire au paradis. Puisqu'il a espéré et cru en vous qu'il n'est pas à subir les peines de l'enfer, en possession des joies éternelles par notre Seigneur Jésus-Christ. Hélène, j'ai promis à Olga que je ferai un saut à Woodcliff. Que dirais-tu de m'accompagner? Ça te ferait du bien de changer d'air. Non, j'en ai aucune envie. À cause d'Olga? Je me sens toujours mal dans ma peau à Woodcliff depuis la mort de maman. Tu as tort au sujet d'Olga. Je t'assure qu'elle nous aime toutes les deux. Bon, peut-être une autre fois, c'est promis. J'imagine qu'il est inutile d'insister. Salut les filles, mais vous êtes debout de bonne heure aujourd'hui. Ah, on avait un petit moment. Voyez, une demi-heure. Vous savez pas, vous aviez le droit de faire de la pub dans les rues maintenant. Et on commence à s'organiser. Dis-moi Sophie, si je suis en retard. Voilà une pièce. Hé, hey, Higby, de quoi j'ai l'air? De la déesse des parcs maîtres. Ah, ça commence à bien faire, le voisin. Monsieur de la deuxième, attention, sortez-moi de là en vitesse. Je vous ai averti. Mais qu'est-ce que vous avez envie de faire pousser, des ananas? Vous l'hystérique, n'approchez pas de ce thermostat ou je viens vous casser la tête. C'est le docteur qui m'a conseillé de rester au chaud. Non mais regarde le thermostat, il est fou! Il l'a mis à 30 degrés alors que le soleil brille comme au paradis! Higby, surtout ne touchez pas au thermostat. J'ai la permission écrite de la concierge. Ah oui, mais je ne vous ai jamais donné la mienne. Voilà, 19 degrés, comme l'a dit le président. Higby, foutez-vous la tête dans la glace pilée, mais j'en ai ras-le-bol de vous voir traîner dans le coin. Ouais, c'est quand je te jure que je vais passer de combien du haut de l'escalier? Hé, hey, tranquillité, madame. Quelle chaleur! Tu veux un peu de caféine? Ah oui, oh, c'est tout ce qu'il me faut. Oui. Oh. T'as de la visite dans ton bureau? Non, sans rigoler. Vraiment?
Bonjour. Monsieur Epi. Oui, c'est moi. Je m'appelle Hélène Lockridge. Je désire m'entretenir avec vous. Mais certainement. Hélène Lockridge? Vous êtes la personne que Frank Chatham devait rencontrer l'autre soir? Sa fiancée? C'est ça. Je suis désolé. Je vous en prie, asseyez-vous. Ah, je vais débarrasser toutes ces choses. Notre femme de ménage est en vacances. Bon. Pardon, est-ce que vous prendrez un café? Merci, non. Qu'est-ce que je peux faire pour vous, mademoiselle Lockridge? Je souhaiterais vous engager. Ah, je suis très flatté, mais... vous savez, la police est plutôt susceptible au sujet de cette affaire, et moi, dans ces cas-là, je réfléchis à deux fois avant de passer à l'action. Monsieur Higby, l'inspecteur Conti m'a rendu visite chez moi, et j'ai été embarrassée pour répondre à ses questions. Mais je croyais que la police voulait se concentrer sur cette fille, cette... Valérie Stéphane, qu'est-ce qu'ils ont contre vous? Eh bien, tout d'abord, je ne crois pas qu'ils m'aient cru lorsque je leur ai expliqué pourquoi je n'avais pas vu Frank ce soir-là. Et pourquoi ne l'avez-vous pas vu? Je remontais en voiture de San Diego, et le brouillard était si épais que j'ai dû me garer en attendant que ça se passe. J'ai dormi dans la voiture. Je suppose que vous avez parcouru la presse. Vous faites allusion à cette croisière il y a un an ou deux, au cours de laquelle votre mari a disparu? Oui, je me souviens. Mais ce qui avait compliqué l'affaire, c'est que Frank Chatham était là, lui aussi. À l'époque, il courtisait ma sœur Laura. Votre sœur? Mais je n'ai commencé à mieux connaître Frank que longtemps après la mort de mon mari. Le plus gênant, c'est que je suis certaine qu'on ne me laissera pas tranquille tant que l'assassin de Frank ne sera pas retrouvé. Et franchement, je ne crois pas que j'aurai la force d'endurer une telle attente. Voulez-vous vous en occuper? Comment pourrais-je refuser? Consternée au sujet de Frank. Hélène va bien? Elle l'a très mal pris au début, mais elle va mieux maintenant. Est-ce qu'on sait ce qui s'est passé? Pas encore. Et tu sais, je me fais du souci pour toi. Tu as tort, Olga, vraiment? Je sais que ce n'est guère possible, mais ça me ferait tellement plaisir que tu viennes habiter ici. Et je ne dis pas ça en l'air, Laura. J'aimerais m'occuper de toi. Et puis, tu pourrais voir Jennifer grandir, comprends-tu? Si je venais vivre ici, si je devais vivre avec Jennifer tout le temps, il me serait impossible de ne pas lui dire la vérité. Peut-être devrais-tu. Grand-mère, tu ne m'avais pas dit que Tante Laura venait. Oh, Tante Laura, je suis si contente que tu sois là. Quant à moi, je suis très, très heureuse de te revoir. Ça me fait vraiment très plaisir. Quand j'avais ton âge et que ta grand-mère était notre gouvernante, ta tante Hélène et moi, nous venions toujours nous amuser ici. C'est pas très rassurant ici. À l'époque, c'était très rassurant. Et à chaque fois que j'avais le cafard, ou que j'avais peur, ou que je me sentais seule, je venais me réfugier dans le parc. Et je regardais le lac pendant des heures. Et ce qui était le plus touchant... Dis-moi, tante Laura. C'est que ta grand-mère savait toujours où me trouver. Elle venait me rejoindre et on restait assises près du lac et on discutait jusqu'au coucher du soleil.
Tante Laura. Comment se fait-il que je t'appelle tante? Tu ne peux pas être la sœur de ma mère, je le sais. Non. Mais nous étions très liés, elle et moi. J'aimerais tant me souvenir d'elle. N'oublie jamais ma chère enfant. Et peu importe quel nom tu me donnes. Que je t'aime et t'aimerai toujours. Je t'aime autant que si tu étais ma fille, tu entends? C'est nous. C'est nous, grand-mère. Vous êtes allée jusqu'à la pointe, hein? Oh, plus loin, encore plus loin. Dans ce cas, je sais que ta tante Laura veut se reposer. Et quant à toi, j'aimerais que tu me donnes un coup de main à la cuisine. Laura, va te reposer. J'y vais, tu as raison. Je suis venue te dire bonjour. Je veux aussi te demander si tu n'as besoin de rien. Hé, hey, ça bosse. Salut, bonjour tout le monde. Mais tu travailles trop. Tiens, regarde ça, Clyde, encore une mauvaise nouvelle. Ah, tu t'es mise sur ton 31 ce matin. Contente que ça te plaise, Igby. Quoi de neuf, Rax? Fais passer. On a rendez-vous, Igby? Non, je crois pas. Mais je mange un bout pendant ce temps-là. On fout le camp. Mais j'ai beaucoup de boulot. Non, bah, j'en ai pour une seconde. Il faut absolument que je sache qui a tué Chatham l'autre soir. Chatham? Chatham, connaît pas. Bon, garde ton beurre à teint. Ce n'est pas que de la curiosité. J'ai un client. Mes félicitations. Ah. Je doute que Mademoiselle Locrine, j'apprécierais votre étonnant sens de l'humour, Conklin. Vous savez que cette histoire est bouleversée. Elle a tout de même le droit d'essayer de savoir ce qui est arrivé au garçon qu'elle devait épouser. Et entre parenthèses, quand on débarque chez elle pour suggérer qu'elle est suspecte... J'ai jamais dit qu'elle était suspecte. Mais alors pourquoi essayez-vous de faire un rapprochement entre ce qui a pu arriver à son mari sur ce bateau et ce qui est arrivé à Chatham près du bar l'autre nuit? Qu'est-ce que ça veut dire? Mais tu es malade, depuis quand est-ce que les règles ont changé? C'est pas à toi, tu sais, de nous poser des questions. Oh, je vous en prie, Conti, c'est... Mais qu'est-ce que vous essayez de cacher à la fin? Ça suffit, Igby, voilà comment ça va se passer. Tu vas dire à cette demoiselle Lockridge que tu es très satisfait de la manière de procéder de la police. Évite de lui dire qu'on lui cache quoi que ce soit. Et ensuite, tâche d'oublier que tu as vu Frank Chatham, sinon... Sinon? Sinon, je te fais foutre en taule pour obstruction à la justice. À la justice? Obstruction à la justice, mais de quoi est-ce que vous parlez? Qu'est-ce qui vous prend, espèce de fasciste? Vous savez qu'il existe des institutions démocratiques et comme les... Tu peux me croire dans ce cas-là. Dans ce cas-là, je peux le faire. Mais... Tu peux laisser ton gâteau ici et sortir. Bonjour Marc. Salut Hank. J'étais en train de border un de nos pensionnaires. Écoute, il faut que je te parle de quelque chose. J'aimerais qu'on discute au sujet du...
Hank, j'aimerais qu'on discute au sujet du gars qui s'est fait tuer près du bar de Carlo. Écoute, c'est un sac de nœuds, ne te mets pas là-dedans. Ah ben, j'y suis déjà jusqu'au cou, vieux. Et Hank, dis, raconte-moi ce qu'il y a derrière tout ça. Dis-moi. Non, écoute, dis-moi ce qui se passe. Tu sais toujours, toi, où les Maccabées sont enterrés. Non, je suis désolé. Marc, tu sais que j'ai une certaine estime pour toi. Je sais, Hank. Sinon, je te demanderai rien. Très bien. Mais je pourrais avoir des tas d'emmerdements. Tu connais Conti. Tu sais que c'est une vraie brute. Bon, viens. Voilà. Le 12 novembre de l'année 1975, Terence Douglas, courtier en bourse à Century City. Des trous à la poitrine. Il ressemble à ceux qu'avait Frank Chatham. On ne peut rien te cacher. Le 3 février de l'année 1975, Peter Altman, ancien général d'active à Marina del Rey. Ensuite, ici, le 23 octobre 1974, Chester Bliss, architecte à Malibu. Oui, oui, je vois. Donc le gars avait des antécédents. Mais en quel est le mystère là-dessous? J'ai toujours du mal à saisir pourquoi on me cache tout. Marc, voilà les conclusions du labo concernant M. Bliss. C'est ce qu'on a trouvé dans les corps de chaque personne. Il y a encore un petit détail. Dans chacun des cas, les personnes ont été vidées de leur sang. Il ne restait plus rien. C'est Carlo? Marc, ouais. J'ai entendu dire que tu travaillais pour Hélène Lockridge au sujet du meurtre, c'est vrai? Oui, oui, c'est vrai. Très bien. Et cette fille, Valérie Stéphane, elle est ici avec moi, en ce moment. Hein? Valérie Stéphane, elle est avec toi en ce moment? Oui, j'étais en train de fermer et elle est arrivée. Elle veut que je la conduise à la police. Mais qu'est-ce que tu attends? Emmène-la. Je ne tiens pas à être mêlé à ça, Marc. Je préférais te l'amener à ton appartement et que tu la conduises chez les flics. Je t'en prie, Carlo, je t'en prie, écoute. Est-ce que tu as peur d'elle? Mais Carlo, non, écoute, c'est ton camarade Digby à l'appareil. Dis-moi, tu peux? Je l'amène chez toi tout de suite. Sorcelé, entrée principale. Valérie! Allez, rendez-moi les clés, quoi. Allez, rendez-les-moi. Non, c'est pas drôle. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que vous faites? Non mais, c'est pas sérieux. Qu'est-ce que vous avez? Allez, arrêtez. Hein. Je vous en prie, arrêtez. Valérie! Arrêtez! Vous êtes folle. Thank you.
Jamais j'aurais dû accepter ce travail. Faut être abruti pour rester ici. J'ai horreur des animaux. Ces saloperies me le rendent bien, d'ailleurs. Vous savez, j'ai même jamais eu un chien à moi, alors. Ah oui, monsieur Hawks, mais est-ce que vous pourriez nous raconter ce que vous avez vu? Rien vu. À part le pauvre monsieur qui était par terre, là. Croyez-moi, j'avais aucune envie d'essayer de savoir ce qui lui avait fait ça. Très bien, monsieur Hawks, je vous remercie de ces renseignements. Vous voulez dire que c'est tout? Mais... si vous alliez contrôler vos cages, on ne sait jamais. Ah oui? Je vais contrôler mes cages, oui. Conti? Oui, Guy? Quelqu'un m'a parlé des trois autres assassinats. J'ai rien dit, moi. Non, non, il n'a rien dit, c'est vrai. Mais j'ai mes propres sources. Conti, je veux savoir de quoi il retourne. Hé, hey, Conti! Vous n'avez absolument pas le droit de me masquer la vérité. Est-ce que vous entendez? Je vais rester sur cette affaire et je finirai bien par découvrir de quoi vous avez peur. Vous comprenez? Qui apprend que je t'ai appelé, c'est la fin de ma carrière, compris? Rax? C'est qu'il est 4h du matin. Oui, je sais, écoute, Igby. Je ne veux pas entrer dans les détails, mais je ne suis pas d'accord avec la façon dont Conti traite cette affaire. Bienvenue au club. Il y a à peine 2 ans, juste après l'un des assassinats, je me souviens d'un type qui avait dit avoir vu quelque chose. Mais personne ne l'a pris au sérieux à l'époque. Et qu'est-ce qu'il a vu? Je ne veux pas discuter de Conti pour l'instant, mais... Tu as de quoi écrire? Attends une minute. Eh oui, ça y est. Bon, tu donnes. C'est un ancien boxeur, un poids lourd. Et il s'appelle Marion Sykes. Et je le trouverai comment? Le problème est là. C'est un ivrogne. On l'appelle Popeye. Tu vas trouver ce gars et écoute bien ce qu'il a à dire. Et ensuite, on en reparlera ensemble. Où tu étais passé? Je t'ai cherché toute la matinée. Je me suis inquiétée. Oh, Flaps. C'est moi qui croyais que tu travaillais uniquement pour l'argent. Rien de nouveau? Non. Tu veux un peu de café? Non, j'ai pas envie de café. Cosart est là, je dois lui dire deux mots. Oui, Cosart est là. Je l'ai surpris en train de remonter le thermostat 2 fois déjà ce matin. Mmh. Ah, au fait, au sujet de rapport de la morgue, est-ce que ton ami chimiste a pu l'étudier? Oh, il faut que tu sois patient. Il me fait ça à l'œil. Oui, c'est vrai, être patient. La patience est une grande vertu. Alors si tu lui donnes un coup de fil maintenant. La patience est une grande vertu. Et la vertu, ça fait de 845,50. Cosart, j'ai une... excusez-moi, mon Dieu, j'espère que je ne dérange pas. Laissez-moi m'occuper des filles, d'abord. Mais d'accord. Tiens, ton argent, voleur. J'espère te voir crever, toi et ton radiateur, salaud. Pourquoi t'en as après moi? C'est moi qui t'ai tiré du ruisseau, n'oublie pas. Amène-toi, Charlotte. Aucune gratitude, Edith. C'est ça l'ennui dans ce métier. Moi, les filles qui n'ont pas de classe supportent pas. Je sais. Alors, qu'est-ce qui vous amène ici? Vous venez jamais. Ah, vous avez besoin de moi, c'est ça? Eh oui, je suis à la recherche d'un type. Un ivrogne. Je suis désolé de vous décevoir, Igby, mais je ne connais pas tous les sous-lots du quartier. Bon, je vous en prie, vous croyez que je me donnerais tant de peine pour n'importe quel peine-cul? Non, mais vous êtes malade, mon vieux, vraiment malade. Non, ce gars-là c'est un ancien poids lourd. Un boxeur qui a pu être relativement célèbre il y a de ça 10 ans, peut-être.
Le gars s'appelle Marion Sykes. Inconnu pour moi. Ben, on l'appelle Popeye. Popeye? Hein? Bon, c'est évidemment un pseudonyme, mais j'ai eu Stuyo ce matin. C'est tout ce qu'on a pu me dire, d'ailleurs. Popeye. Popeye. Hein? Ça vous revient? Pourquoi je devrais aider un gars qui se fout de ma santé? Oh, vous m'ennuyez, Cozart. Oh, Higby. Désolé, ça va coûter chaud. C'est Flaps qui va être contente. Flaps, le pauvre Cozart était mort de froid dans sa piole, alors j'ai remonté un peu le chauffage. Tu as fait quoi? Tout à l'heure. Higby! Higby! École de gymnastique de Los Angeles. Dites, monsieur, vous cherchez quelqu'un, peut-être? Oui, bonjour, madame. Dis-moi, j'aimerais parler à un monsieur qui s'appelle Popeye. Tu crois que tu peux le trouver? Bien sûr, je vais lui dire que vous êtes là. C'est gentil, merci. Popeye! Il y a un monsieur qui veut te voir là-bas. J'aimerais vous parler. Ça ne prendra que quelques minutes, c'est tout, mais je vous en prie. Écoutez, je ne vous demande que quelques minutes de votre temps, c'est tout. Vous savez qui m'envoie ici? Cozart. C'est lui qui m'envoie, enfin... Hé, hey, Popeye! Écoutez-moi. Foutez le camp. Laissez-moi tranquille. Dites. C'est reparti, la tuerie. Au moins deux fois cette semaine. Et vous ne devinerez jamais. Jamais, la police a décidé d'étouffer l'affaire une fois encore. Mais oui, personne m'a cru, moi, la dernière fois. Essayez avec moi. Essayez. Qu'est-ce que vous avez vu? Ce que j'ai vu, c'est une araignée. Ou quoi? Vous avez bien compris, monsieur. J'ai vu une araignée. Une araignée géante. C'est pas sérieux, Rax. C'est pas sérieux, une araignée géante. On peut parler de psychopathe aimant les déguisements, de malade, un peu poilu, je sais pas, mais Marc, pas d'araignée. Tu sais de quoi se nourrit une araignée? Non, pourquoi je devrais? Alors, permets-moi d'éclairer ta lanterne. Ces bestioles endorment ou tuent leurs victimes, et ensuite elles les vident complètement de leur sang. Charmant. Les araignées ont des pattes à venin, Marc, et lorsqu'elles attaquent, elles les enfoncent dans leurs victimes et elles injectent leur poison. Alors, essaie d'imaginer une de ces bestioles d'une taille géante. Et alors, toutes ces blessures ont pu être causées par ces pattes. Oh, Rax, Oui, je sais, je perds l'esprit, c'est ça. Non, d'accord. Ce serait donc une araignée qui ressemblerait à un monstre. Bien, bien. Ben, alors, raconte-moi tout, maintenant. Tiens, parle-moi de cette Valérie Stéphane. Tu la mets où, elle? C'est sa nourrice, peut-être. Ah, voilà une idée que je suis tout disposé à accepter. Tu sais, Marc, on trouve de nombreux récits et de très étranges légendes à travers l'histoire à propos d'araignées géantes. Ainsi que des mythes à propos de femmes qui se transforment en araignées. Je t'en prie, non, ne me dis pas que tu crois que cette chose, c'est Valérie Stéphane déguisée. Alors, tout ça, c'est de la science-fiction. Attends, écoute ça, tu veux? Les Chinois racontent l'étonnante histoire de femmes ensorcelées qui apparaissaient aux voyageurs égarés et qui les invitaient dans une caverne pour la nuit. Pendant qu'ils dormaient, la femme se transformait en une araignée géante, puis elle les transperçait de ses pattes, les enveloppait de sa toile et dégustait ses proies à loisir. Et des tas d'autres choses, Marc. Il y a des tribus d'Indiens des États-Unis qui ont des croyances à peu près identiques. Tout est là, regarde, c'est très édifiant, je t'assure.
Qu'est-ce que Conti pense de ça? Tu veux rire? Il dit que je perds esprit, tiens. Je vais te donner mon avis, Rax. Si tu crois vraiment à ça, tu feras bien de te débrouiller pour que tout le monde l'apprenne. Non, pas question, non, pas question. Non, j'aimerais une réponse précise. Et pour quelle raison m'as-tu envoyé courir après la lune? Parce que peut-être que Conti a raison. Peut-être que je perds l'esprit. Eh bien, si j'avais été un client, j'aurais raccroché. Je suis navré, mais ton personnel vaquait à d'autres occupations. Dis, tu veux savoir à quelle chaleur ce macaque de Cosard t'a réglé l'engin? Bon, arrête tes salades, tu entends, et surtout, sois cool. Quoi de neuf au bureau? Voyons, Hélène Lockridge a téléphoné il n'y a pas une heure, elle était un peu démoralisée. Il paraît que Conti l'a interrogée à propos de la mort de Carlo. Bon, alors rappelle-la, Flaps, et dis-lui que je passerai plus tard chez elle, d'accord? Bon, d'accord. Ah, au fait, mon ami chimiste est passé pour rapporter l'analyse. Il ne sait pas ce que c'est exactement. Qu'entends-tu par exactement? D'après lui, la chose à laquelle ça ressemblerait le plus, ce serait... Attention, écoute ça, tu es prêt? Une espèce de venin qui proviendrait d'une araignée, la veuve noire. Ben, tu rigoles pas? Je le sais. Bonsoir, Hélène. Je vais m'excuser, mais je vous ai délaissé un peu. Je n'ai pas arrêté une minute. Je n'arrive pas à croire à la mort de Carlo. Je sais, je sais. Moi, c'est un vrai palais que vous avez, là. Merci. L'océan pour vous toute seule. Mmh. Si vous mettiez quelque chose, j'aimerais qu'on marche sur la plage, qu'on discute. Oh, d'accord. Je prends un peu. C'est ça. Excusez-moi d'avoir crié, mais j'ai toujours eu beaucoup de respect pour ces bêtes. Je sais qu'elles ont l'air hideuses, mais elles sont inoffensives. On en ramène toujours quand on va sur la plage, il y en a partout. De toute façon, je suis sûre qu'elle a eu beaucoup plus peur que nous. J'en doute. Si on l'emmenait avec nous en promenade, elle a peut-être besoin d'un peu d'air. Courageux pour attraper ces bêtes-là. Non, pas vraiment. Je n'ai jamais eu peur. Qu'est-ce que vous allez en faire? La laisser aller. Venez regarder. Allez, ma belle. C'est Conti. Qu'est-ce qu'il voulait? Il voulait savoir où j'avais passé la nuit. Qu'est-ce que vous lui avez dit? La vérité, je n'ai pas bougé de chez moi. Et vous aviez vu la façon dont il m'observait. Vous savez, Hélène, quand il peut paraître revêche aux entraîneurs, mais il n'est pas fou.
Je ne comprends pas la raison de son acharnement à votre égard. Écoutez, il y a un petit détail dont j'aurais dû vous parler à propos de la disparition de mon mari. Quel détail? Les journaux n'en ont pas parlé, mais une enquête approfondie a été menée. Oui? L'un des passagers était certain d'avoir vu mon mari cette nuit-là, accompagné d'une jeune et jolie femme. Il a dit qu'ils étaient enlacés comme des amoureux. Mais qu'est-ce que vous me racontez? Qu'est-ce que vous me racontez? Ne me dites pas que Conti croit que c'est cette Valérie Stéphane qui était avec lui. De toute façon, qu'est-ce que ça a à voir avec vous? Je n'en sais rien, vraiment rien, mais cette femme n'a jamais existé. Ils ont procédé à la fouille du bateau et ils n'ont retrouvé personne. Cette fille commence à me taper sur le système. Et vous avez du nouveau? Non, pas grand-chose. J'ai une ou deux pistes à vérifier. Ça ne doit pas être tellement drôle pour vous, tout ça. Comme on est en vie. Écoutez, Hélène, je viens d'avoir une idée. J'ai à peu près terminé ce que j'avais à faire aujourd'hui, mais j'ai une furieuse envie de faire la fête. Ça vous dirait d'aller prendre un verre, de faire un bon dîner, et d'oublier cette Valérie Stéphane et tout le reste? Qu'est-ce que vous en dites? D'accord. Eh bien, très bien. J'ai aussi très envie de faire la fête. Alors, en route. Ça serait sûr. Ceci est-il inclus dans vos honoraires? Ah, mais oui, mais pour vous, je fais après la nuit. Bonsoir. Ma sœur. Hélène, en voilà une surprise. Bonsoir Laura, comment vas-tu? Ça va. Marc, je vous présente ma sœur Laura. C'est enchanté, Laura. Bonsoir, heureuse de vous connaître. Très heureuse. Et son fiancé, Jeff Wallace. Bonsoir, c'est très heureux. Laura, je te présente Marc Higby, le détective privé dont je t'ai parlé. Oh, oui. Il y a des mois qu'on ne s'était pas retrouvés ensemble dans cette boîte. Ah, Marc, c'est cette boîte qui nous servait de repère il y a quelques années. Laura, tu veux danser? Oh, pas là-dessus, c'est trop rapide. J'espère qu'Hélène aime toujours bouger. Non, merci, Dieu. Comment, après tant de temps, tu refuses de danser? Amusez-vous, les enfants. Je savais qu'Hélène avait une sœur, mais je vous croyais jumelles. Oh, c'est vrai, mais jumelles pas très ressemblantes. Oui. On va toujours pas mal ensemble, tu trouves pas? Je ne sais pas à ce que... Moi, si. Ça fait longtemps qu'on ne sait pas. Je suis désolée de l'avoir abrégé. Je ne sais vraiment pas ce qui m'a pris. C'est pas grave, je suis désolée, moi aussi. Je vous inviterai une autre fois. Je sais pas ce qui t'est arrivé, mais c'est sur la piste de danse que ça a dû se passer. Bonne nuit, Marc. Bonne nuit, Hélène. Thank you.
seule, veux-tu? Ces mots sonnent mal dans ta bouche. Je jure devant Dieu que j'en parlerai à Laura. J'en doute beaucoup. Allons, calme-toi. Servir un verre. Tu veux quelque chose? Que tu sortes d'ici. Allons, calme-toi, il est encore tôt. Je t'ai dit de sortir d'ici. Comme tu veux. Tu sais, il y a des centaines de bars en ville où je trouverai à boire. J'ai le droit d'être ici. J'ai une cliente qui est impliquée dans cette affaire. Même... Non, et laissez-moi passer. Ah, Conti, j'ai reçu un appel des Lockridge. C'est bon. Merci. Qu'est-ce qui s'est passé ici? On dirait que quelqu'un l'attendait quand il est rentré chez lui. Allez, emmenez-le. Max, qu'est-ce que c'est que ces trucs qu'il avait? Discute avec Conti, non? Conti, si vous voulez mon avis, je pense que, enfin, que la chose qui a essayé de fuir en emportant le corps et qui a été interrompue... Enfin, vous savez de quoi le cadavre a été enveloppé, n'est-ce pas? Vous le savez. Trêve de plaisanterie sur toutes ces histoires. Et comment allez-vous procéder, Conti? Et comment voudrais-tu que je procède? Avertissez l'opinion publique, qu'ils sachent au moins ce qui se passe dans leur région. Ah, c'est une excellente idée. Oui, une excellente idée. Pourquoi est-ce que je ne tiendrai pas une conférence pour qu'ils sachent qu'un monstre poilu est en train de tuer tout le monde? Ensuite, je distribuerai des bonbonnes d'insecticides à tous mes hommes et ils lui courront après. Tu sais ce qu'on va me faire? On va m'envoyer sur une île avec une camisole de force par-dessus le marché. Non, Igby, le secret reste sur cette affaire. Et si j'entends un seul mot en ville à propos de je ne sais quel monstre, je saurai d'où ça vient. Très bien, d'accord, mais j'espère que maintenant vous laisserez Hélène Lockridge tranquille. Que je laisse Hélène Lockridge tranquille? En l'espace d'une semaine, deux fiancés des sœurs Lockridge se sont fait transpercer le poitrail. Et je ne parle pas de Carlo, je n'ai pas encore compris. Je ne parle pas non plus du mari, qui est peut-être passé par-dessus bord. Non, Rigby, même en admettant que j'ignore encore ce qui la lie à cette bête à poil, je ne peux pas laisser Hélène Lockridge tranquille. En fait, je m'intéresse aussi à sa sœur. Dis-moi, Marc. Quoi? Encore un petit détail intéressant. Qu'est-ce qu'il peut y avoir de plus? Ce Jeff Wallace avait une collection d'armes. C'était un tireur d'élite. On a retiré 6 balles logées dans un mur. Oui, alors? Eh bien, il s'agit de 6 grosses balles provenant d'un .44 Magnum, tirées pratiquement à bout portant.
Il n'y avait aucune trace, pas de sang, pas de chair sur aucune des balles. Moi, tu sais ce que je trouve le plus bizarre chez les sœurs Locrist? Ce sont ces terrifiantes tragédies qui jalonnent leur vie. Tu as vu le petit habit rouge sur son ventre, là? Igby, si tu ne nous débarrasses pas de cette horreur, je fais ma valise. Alors là, je te préviens. Non, mais tu es folle, ça m'a coûté 12 dollars. Alors, là, regarde, tiens, c'est comme ça qu'on reconnaît que c'est une fille. Tu vois? Et puis, tiens, tout ça, regarde. Tous ses yeux. Une veuve noire à quatre paires d'yeux. Dieu, c'est dégueulasse. Attends, tiens, écoute ça. Tiens. Tiens-la. Non, non, allez, tiens-la une seconde. Prends-la, allons. Oui, prends-la, c'est ça. Une tribu indienne du Nord Californien prétend que ce serait un pouvoir maléfique transmis aux femmes par les femmes uniquement. Ils pourraient s'endormir pour toujours ou être réveillés par l'action d'une certaine espèce de venin. Une fois piqué par l'araignée, la femme, périodiquement, mais uniquement durant le cycle de la pleine lune, peut se transformer en une araignée commune de taille aberrante. Écoute, Igby, j'ai toujours tout admis de ta part jusqu'à maintenant, mais cette histoire-là, c'est dur à avaler, tu sais. En tout cas, ça explique Valérie Stéphane. Hmm? Igby, tu veux entendre ce que j'ai sur les filles Lockridge? Oui, oui, je veux entendre ta tragédie. Hmm. Très bien. Tout a commencé à la naissance des jumelles. En fait, bien avant. Le père s'appelait Paul Lockridge, financier, et c'était un fanat d'aviation. Il mourut le jour où son appareil s'est écrasé dans la Sierra en 1947. La mère se trouvait à bord, mais elle a survécu et elle était enceinte des jumelles, qu'elle a dû mettre au monde toute seule dans les montagnes. Deux jours s'écoulèrent avant qu'elle soit découverte par un guide indien. Oh. Il y a autre chose? Rien jusqu'en 1965, lorsque Madame Lockridge décide d'aller vivre en Italie, où elle mourut à Rome. Mmh. Les détails sont quelque peu nébuleux sur ce point-là. Nébuleux? Comment ça, nébuleux? Eh bien, la cause du décès n'a jamais été rendue publique et elle est revenue dans un cercueil hermétiquement clos. Pourquoi? J'en sais rien, tu connais le reste, c'est ce qui est arrivé ces temps derniers. Mais tu n'as rien, qui relie l'une ou l'autre des filles aux assassinats précédents? Non. Rien non plus qui lirait les jumelles à un monstre quelconque? Non, mon chou, je n'ai rien qui lirait les jumelles à un monstre quelconque, moi. Il te demande une minute. Si c'est à perdre quelque chose? Écoute, Igby, je crois pas à un mot de ces sornettes à propos d'Indiens en mal de culture, c'est clair. Mais si tu as la recherche d'un lien, que dis-tu de celui-là? Les médecins ont dit que c'était presque un miracle que Madame Lockridge et ses petites filles aient survécu à cette épreuve. Non seulement elles ont souffert de malnutrition, mais l'hôpital du coin dit que l'un des bébés avait été si grièvement piqué par des insectes qu'il est resté dans un état comateux pendant presque une semaine. Laquelle des deux? Alors ça, impossible à savoir. Quel genre d'insecte? Pas un mot là-dessus. Est-ce qu'on sait où l'avion s'est écrasé? Près d'un bled qui s'appelle Caddo Ridge. Caddo Ridge, Caddo Ridge. Ça se trouve au nord de Sacramento, je crois. Alors, quand fais-tu tes valises? Tout de suite. J'ai peur que les documents que vous voulez aient été détruits lors de l'incendie des vieux bâtiments en 58, monsieur Higby. Mais les journaux de l'époque ont parlé d'un Indien qui a découvert l'appareil écrasé. Vous savez, je suis nouveau venu dans cette ville. Mais je sais que les Lockridge possédaient des vignes ainsi qu'une belle propriété sur le boulevard du Puy-Rouge. Vous savez peut-être si les vignes sont toujours cultivées? Non, elles sont à l'abandon. Mais on dit en ville qu'un vieil Indien qui aurait travaillé pour eux s'est installé dans la maison. Merci beaucoup, monsieur Summers. Je me tiendrais sur mes gardes si j'étais vous, monsieur Higby. Ah oui, pourquoi? Il paraît que fréquemment, l'Indien s'amuse à canarder des chasseurs ou des pêcheurs qui se réfugient dans la maison. Je vois. Bon, je me tiendrai sur mes gardes, merci beaucoup. Mmh.
Il y a quelqu'un? Est-ce qu'il y a quelqu'un? Écoutez, si quelqu'un m'entend, qu'il se monte, je veux discuter. Hello? Ça a cassé. Les araignées. J'ai renvoyé les araignées chez elles. Vous avez quoi? Tout considéré, j'ai l'impression que c'est votre entrée acrobatique sur le terrain où elles demeurent qui les a fait tomber du plafond. Qui êtes-vous? Je m'appelle Aspa Soldato. C'est vous l'Indien qui travaillait pour les Lockridge? Tiens, vous êtes perspicace. Mais laissez-moi deviner ce que vous faites dans la vie. Vous êtes un privé, un détective privé. Je ne suis pas devin. Je suis Higby. Alors, qu'est-ce que vous faites ici? Vous n'avez pas vu les pancartes? Ben, si, je vous cherchais, justement. Pourquoi? Voilà. Je travaille pour l'une des filles, Lockridge. Je suis venu ici pour en savoir plus sur la mort de leur père dans cet accident d'avion. Monsieur Soldat, c'est vous qui avez découvert la mère et les deux bébés, c'est exact? Oui. Très bien. D'après les journaux, l'un des deux bébés a été grièvement piqué par des insectes. Et c'est vrai. L'enfant aurait pu y rester. Je sais que ça peut avoir l'air un peu curieux, mais je désire savoir par quel genre d'insectes. La zoologie ne considère pas les araignées comme des insectes, ce sont des arachnidés. Elles ont été piquées par des araignées, est-ce que vous en êtes certain? Oh oui. Monsieur Soldato, ceci est très très important. Je vous en prie, dites-moi, lequel des deux bébés a été piqué? Oh, je suis désolé, monsieur Higby, je n'en sais rien. Les enfants étaient
De tout jeunes enfants, je ne les ai jamais revus après que les soldats les aient conduits à l'hôpital. Vous allez en venir à toutes ces vieilles légendes indiennes, n'est-ce pas? Oui. La femme araignée, bien sûr. La femme dont on dit que périodiquement, en des moments de grande fatigue, elle prend la forme d'une araignée d'une taille démesurée. Et elle tue. C'est vrai. C'est exactement ça, c'est ça. Oui, une histoire de fou. Oh. Je conçois très clairement que vous ne croyez pas vraiment... Qui a dit que je ne crois pas que c'est vrai? Moi, ce que j'ai du mal à concevoir, c'est que vous, un habitant des villes, n'ayant jamais vu d'araignée de sa vie, c'est intéressant. Bonnes raisons. De très bonnes raisons. Oui, je sais. Un détail. Les livres que j'ai lus étaient plutôt vagues à propos de ce qui arrivait après. Enfin, je veux dire... Qu'est-ce qu'elles font? Elles meurent de vieillesse un jour ou quoi? Les légendes disent qu'elles sont virtuellement indestructibles sous la forme d'une araignée. Rien ne les atteint sous cette forme. Rien du tout? Non, rien, monsieur Higby. À une exception. Le feu. Tu t'es fait peur, moi? Oui. Mais c'est toi qui as failli me donner une attaque. Mais tu vas arrêter de crier, oui. Mais je ne crie pas, je n'ai pas crié. D'ailleurs, je ne crie jamais. Qu'est-ce que tu fais là, de toute façon? Je voulais pas te manquer. Je suis montée et puis j'ai dormi. Je suis navrée. Écoute, Marc, j'ai une mauvaise nouvelle pour toi. Je crois qu'Hélène Lockridge est la bonne. Comment ça, Hélène Lockridge est la bonne? Alors écoute, quand tu es parti, désolé de t'offenser, mais j'avoue que je ne te croyais pas en possession de toutes tes facultés. J'ai donc décidé de ruminer la question pleine lune. Je me suis dégoté un almanach et j'ai étudié les cycles lunaires, ainsi que les dates des assassinats antérieurs. Et devine ce qui est marrant, elles se conforment toutes au cycle de la pleine lune. Depuis le mari sur le bateau, jusqu'aux deux assassinats de cette dernière semaine. Ah oui, mais tout ça ne fait que confirmer les légendes, c'est tout. Écoute, à force de lire et de relire ces dossiers, je me suis rendu compte d'un détail important. Hélène a beaucoup voyagé, Laura est restée. Et alors? Higby, à chaque fois qu'un type s'est fait assassiner, Hélène Lockridge était en ville. Et alors, qu'est-ce que ça prouve? Laura aussi était en ville. Très bien, mais si Laura était coupable, il serait très normal que les meurtres se soient produits pendant qu'Hélène était en voyage, non? Très bien, Flaps. Écoute, puisque tu as tout découvert, continue ton speech. Parle-moi de Valérie Stéphane. Qui est Valérie? Est-ce que tu as vu Les Trois Visages d'Ève? Les Trois Visages d'Ève? Le film Les Trois Visages d'Ève. Ah oui, oui. Alors, imaginons qu'on ait affaire à une femme qui a un dédoublement de la personnalité. Elle prend un déguisement et elle se met à la recherche de ses victimes. Hein? Ce qui m'amène à la remarque finale, cette nuit est la toute dernière nuit de la pleine lune.
Allô? Laura, ici Mark Higby. J'aimerais vous dire deux mots au sujet d'Hélène. Pourquoi? Qu'y a-t-il? Il lui est arrivé quelque chose? Non. Non, elle va très bien. Alors, que voulez-vous? Quand vous a-t-elle appelé pour la dernière fois? Ce soir? Hein? Dites-moi, est-ce qu'elle vous a semblé normale ou bien troublée ou quoi que... Elle était un peu nerveuse. Elle a dit qu'elle désirait me voir. Elle voulait vous voir? Et dans quel but? Ça, je ne sais pas. Elle a dit que ça lui ferait plaisir qu'on se réunisse et qu'elle viendrait à la maison. À Woodcliffe? Laura, j'ai une question à vous poser. Et c'est très important. Qu'est-ce que vous savez au juste de la mort de votre père lorsque son appareil s'est écrasé? Seulement ce que notre mère nous en a dit. Pourquoi? Eh bien, d'après les documents, avant que les secours n'arrivent, l'un des bébés, il s'agit donc soit de vous, soit de votre sœur, a été grièvement piqué par des insectes, des araignées. Est-ce que vous savez laquelle de vous deux a été piquée? Laura, vous savez qui a été piqué? Oui. Alors c'est qui? Vous? Hélène? C'est Hélène. Dites-moi un peu, Laura. À quelle heure vous a-t-elle appelé au téléphone? Il y a moins d'une heure de ça. Je veux que vous partiez de chez vous, tout de suite. Mais enfin, de quoi vous parlez? Croyez-vous que je devrais me méfier de ma propre sœur? Écoutez, Laura, partez de cette maison. Je veux que vous alliez dans un motel, en ville, où vous voudrez. Mais surtout, surtout, partez avant qu'Hélène n'arrive. Pourquoi? Écoutez, je n'ai pas le temps de vous expliquer. Partez, c'est tout. C'est juste pour ce soir. Demain, tout sera redevenu normal, Laura. Entendu. J'y vais. Bien. On se voit demain. Toi, Flaps, on va la voir. Et je croyais que tu lui avais dit de partir. Oui, c'est vrai, mais je n'ai pas confiance en elle.
s'en va? Laura! Je suis là! J'ai entendu quelqu'un. Que faites-vous là? Qui est là? Qui êtes-vous? Maman? Oh. C'est incroyable. Maman. Oh, maman. Tu es vivante. Oui. Oh. Oh. Maman, c'est Hélène. Oh non, 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 Hélène est à l'école. Oh. Maman, cet Italien, ce beau garçon. Oh, pourquoi lui a-t-elle fait ça? Oh. Pourquoi Laura a tué ce jeune homme? Oh. Maman, le sang. Mais quoi, maman? Maman! C'est ta faute, Hélène. Tout est ta faute. Qui êtes-vous? Qui est cette personne? C'est Laura qui m'envoie. Il y a tellement de choses qu'elle n'a jamais eu le courage ni l'audace de te dire. Elle est tellement lâche. Cette femme-là... Elle a toujours aimé Hélène plus que Laura. Ai-je raison, Madame Lockridge? Ça suffit. Qui a dû s'occuper de vous durant toutes ces années? Qui a dû cacher votre insanité? Qui êtes-vous? Pas Hélène, votre enfant chéri. Non, c'est Laura. La pauvre idiote de Laura. Et toi, on achetait toujours ce que tu voulais? Et tu voulais tout avant les autres. Ça suffit! Tu ne te souviens pas de Rome, Hélène? Quand Laura fréquentait ce jeune homme italien, Gianni, hein? Qui êtes-vous? Et que tu le lui as pris? Elle a dû lui prouver qu'elle était toujours séduisante. C'était maladroit, je l'admets. Mais elle y est arrivée. Au-delà de toutes ses espérances. Ensuite, cet imbécile s'est fait violer. Elle est tombée enceinte. Alors, bien sûr, j'ai été obligée de le tuer pour elle. Oh, mon Dieu. Laura. Thank you.
écoute, Jennifer. C'est la voiture de qui, grand-mère? C'est celle de tante Hélène. Oh, chouette, je suis impatiente de la voir. Je ne sais pas, ma chérie, mais il se fait tard. Tu serais très gentille d'aller dormir après ça. Où est-ce qu'elles ont pu aller? Se promener, peut-être. Vous voulez leur raconter ce film qu'on a vu? Ça peut attendre. Allez, va vite. Mets ta chemise de nuit et lave-toi les dents. Je viendrai te dire bonsoir. Oui. Je ne peux plus te protéger. Oui, ma chérie. Rassure-toi, tu n'as plus rien à craindre. Pardon. Mais oui, bien sûr. Je te pardonne. Où est Jennifer? Elle est dans sa chambre. Elle va bien. Je me sens si fatiguée. Laura, où est Hélène? Je sais pas. Est-ce que Valérie lui a fait du mal, elle aussi? Je sais pas. Je me rappelle plus. J'ai bien essayé d'arrêter Valérie, mais elle ne m'écoute jamais. Nous nous cachions loin d'ici, là où elle ne nous retrouvera pas. Oui, bien sûr. Bien sûr, ma chérie. Au moins, si j'arrivais à trouver le sommeil...
peux toujours essayer. Tu n'as qu'à fermer les yeux. Je prendrai soin de toi si tu dors. T'es joué de Laura, Olga chérie. Mais pas de moi. Sigby, est-ce que tu as pensé à ce qu'il faudra qu'on fasse si on se trouve nez à nez avec cette chose? Je préfère ne pas y penser. C'est inconfortant. Higby, je crois que j'ai trouvé. C'est celle dont les journaux parlaient, c'est la mère. Madame Lockridge? Non, je croyais qu'elle était morte. Maintenant, oui. Écoute-moi, Jennifer, tu as une idée de l'endroit où ta grand-mère a pu aller, où elle va d'habitude? C'est très important. Je suis pas sûre, mais elle est peut-être allée au garage à bateau près du lac. Vous retrouverez ma grand-mère? Bien sûr, ma chérie. Tout de suite. Marc! C'est rien. Non, viens. Le shérif sera là dans une seconde. Flaps, tu vas téléphoner à Conti. Explique-lui ce qui se passe ici, hein, d'accord? Qu'est-ce que tu fais? Higby. Bon. Tiens. Bon. Tu penses jamais à le prendre. Je sais, mais ça servira à rien. Merci quand même. Fais attention, hein. Flaps, ça me va droit au cœur.
Arrêtez. Calme, Hélène, c'est pas... Allons. C'est moi, Hélène, arrêtez, c'est moi. Non. C'est non, moi, non, voyons. Non. Hélène. Non. Calme, non. Allons, c'est moi. C'est moi. C'est pour sortir de là. Tout ira bien maintenant. Allez, calmez-vous, calmez-vous. Vous n'avez plus rien à craindre. C'est du bon boulot, Rigby. Mais réponds à cette question. Mais je vous écoute. Qu'est-ce qu'il faut que je mette sur mon rapport? Ah, Conti, ça c'est votre problème. Ça ne résout rien. Allez, Rax, on n'a plus rien à faire ici. À grignoter, j'ai tellement faim. Ouais, est-ce que c'est à votre goût, ça? Oh, c'est très difficile. Ah. Bonjour, monsieur Higby. Bonjour, Jennifer. Elle a l'air de bien s'adapter. On dirait, oui. Elle a repris l'école et elle s'est fait de nouvelles amies. Elle a encore des cauchemars de temps en temps, mais ça s'arrangera, je crois. Et vous, comment ça va? C'est comme s'il ne s'était jamais rien passé. On n'oublie pas facilement ces choses-là. Très bien, madame. Arrêtons de parler de tout ça et passons à table. Jennifer, à table. Tu peux prendre un dernier bain? Oui, si tu veux, mais fais vite. C'est fou ce qu'elle a grandi. Vous savez, c'est curieux, cette enfant. Elle ne lui ressemble pas vraiment. Mais des fois, elle me rappelle beaucoup Laura.